Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 4 février 2021 et je suis heureux ce soir d'être avec vous pour le deuxième épisode de la série Artistes Engagés. Et dans le cadre de cette série, j'ai la chance d'accueillir ce soir le rappeur Bilard. Salut à toi Bilard. Salut Renaud, salut tout le monde. Merci à toi, donc j'ai la chance de t'accueillir pour ce second épisode de la série Artistes Engagés, hein, donc toi qui es rappeur. Donc tu as pris conscience très tôt de la tromperie universelle, comme l'appelle George Orwell dans 1984. Ça devient donc vital pour toi de partager ces informations et d'apporter ta pierre à l'édifice pour construire et améliorer notre situation globale. Donc tes propos dérangent, et tu es donc rapidement censuré, mais tu restes plus que déterminé. Je t'ai découvert grâce à ta trilogie « Gouvernement ». Démocratie et l'œuvre au noir qui sont sortis pendant le mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, tu fais partie des rappeurs français actuellement sur la scène avec les textes les plus puissants en termes de textes conscients, avec un nombre de références infinies dans tes textes. Et donc, j'ai la chance de t'accueillir ce soir dans le cadre de cette émission qui tente d'aborder l'art et la musique, en l'occurrence ce soir, dans une perspective politique et sociale. Voilà, pour essayer de comprendre le rapport que les artistes entretiennent avec le pouvoir. L'engagement est un acte intellectuel de l'artiste qui est conscient de son appartenance à la société et qui renonce à être simplement dans une position de spectateur, qui devient acteur. Et ces artistes engagés donc mettent leur pensée et leur art au service d'une cause. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de t'accueillir ce soir, Bilard, parce que j'ai la chance d'écouter tes sons depuis maintenant plus de 2 ans, grâce au mouvement des Gilets jaunes qui m'ont permis de te découvrir. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir passer ce petit moment, cette petite heure ensemble, pour pouvoir mieux te connaître. Et aussi, donc, on écoutera un de tes sons, accompagné d'un clip au cours de l'émission. Et si on a le temps, à la fin de l'émission, on laissera quelques questions aux internautes en fonction de l'appétence que les internautes ont pour notre échange. On prendra peut-être quelques questions de la famille, donc de la communauté du Front Médiatique présent ce soir avec nous. Allez, c'est parti Bilard. Alors, pour commencer assez rapidement, hein, sans rentrer trop dans les détails, évidemment, on va approfondir tout ça. Est-ce que tu pourrais te présenter pour la communauté qui te connaît peu ou pas ?